Monsieur Kadhafi, c'est un plaisir, je dis à vous, moi, votre travail, parce que je ne connais pas tout. Bon, déjà, connaître depuis longtemps. Depuis longtemps. Depuis longtemps, connaître moi, même pas connaître tout du tout. Mais c'est un plaisir pour moi, je dis à qui j'aime rencontrer grâce à bon Dieu. Je suis très content. Ah, si ce n'est pas bon Dieu, je ne vais pas venir avec vous. Je ne vais pas dire comme ça. Tout. Parce que bon Dieu, je connais ma vie avec vous. J'ai fait une vision que je fais avant hier soir. Moi, j'ai un gros pied bois dans une falaise, dans l'habitation. Moi, je monte pied bois et je suis dormi. Et puis, je viens déjà quoi là-dedans, je prends tout déjà quoi dans tout. Mets des caméras sur lui. Je prends tout déjà quoi. Je demande à madame, est-ce que je me perdis? Je suis que elle a dit non, pas perdu, pas au projet quoi. Oh, ça a été ça. Moi, j'aime content. Merci en ville pour l'affection qui gagne dans la façon de recevoir moi. Yeah. Avec l'équipe, la joie qui gagne dans la façon de recevoir moi. Oui. Même content en ville. Je suis content, puis content. Vous allez parler aujourd'hui. Hein? Bonjour Haïti. Bonjour le monde. Oui, c'est Sébaré Daniel. L'homme de Dieu, je habite dans le département de la Grandance, commune de Chambellan. J'ai 87 années. Le numéro de téléphone, oui, c'est 44 39 18 47. Je voulais adresser mon adhésion. Hein? Parce que j'ai dormi la caille. Pendant que j'ai dormi, bon Dieu, j'ai deux messages pour libération Haïti. Ma dame Chambellan, bon Dieu, venez les sous le Port-au-Prince. Lève-moi dans la rue, je suis rentré en Dérocaï. Lève-moi dans la rue, je suis en réunion qui a fait en Dérocaï là. Personnel qui t'a dit que je suis en réunion, hein? Il m'a place quand il était campé. Hein? Et puis il dit l'autre, mais même monde qui pouvait régler les affaires du pays d'Haïti. Hein? C'est moi-même, c'est Marie Daniel. Il se passe 15 jours, je suis dormi, bon Dieu, je me tourner Port-au-Prince encore. Les mouvements dans la rue, j'ai deux hommes chita, chaque chita sur une petite chaise. Les mouvements devant eux, une qui est bébé l'autre, ils disent tout le temps, c'est pas parler dans le peuple haïtien, pour me prendre une maintenant, mais l'autre, en pas jamais changé. Pour ça, je garde la situation difficile en pile, dès que je n'ai jamais une chance pour me parler dans le peuple haïtien, parce que je connais tous ces frères nous, parce que nous dit. L'État est un ensemble de familles établies sur un territoire fixe, indépendant, soumis aux mêmes lois et à la même autorité diffère de la nation. Celle-ci peut exister sans l'État. L'État désigne l'autorité qui représente et gouverne la nation. C'est dans ce sens que l'on dit le secrétaire d'État et des sous-secrétaires d'État. Parce que nous tous ces frères, nous habitons sur la même terre, ensemble, nous sommes haïtiens, nous tous ces haïtiens. Et je me garde, moi, c'est nous qui avons bataillé, c'est nous qui avons tué l'autre. Qui fait me parler, bon Dieu, pour en erreur, pour ne pas présenter le message ça, que bon Dieu te bombe là, te bombe là. Pour ça, je présente le message là devant la nation. Parce que, d'après Galates chapitre 6, verset 1er, il dit frère, si nous barrons les gens qui font un bagage qui mal, nous-mêmes qui avons l'Esprit bon Dieu dans nous, mettez les gens dans le bon chemin, mais faites ça avec douceur. Deuxième Timothée, chapitre 3, verset 16, il dit « Toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour instruire, pour convaincre, pour corriger, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Parce qu'on n'a pas qu'à vouloir pour nous corriger si vous enseignez. C'est là enseigner maintenant qu'on a mon envie d'instruire, et puis l'instruction, il y a d'après gens bien instruits, ou bien convaincre maintenant de ça le faire, et puis le capiter, ça ne fait pas bon, la prend bon chemin. Eh bien, peut-être ça, je dis, je voulais présenter devant le Premier ministre Garry Conille, avec le conseil présidentiel là, avec M. Nomil Rameau, avec Jean-Ismaël Valesté, avec Guerrier Henri. Pour me dire, le message, ça, c'est pour nous tous. C'est nous qui connaissons. Si nous voulons faire volonté, bon Dieu, pour nous quitter volonté, bon Dieu, agir dans le temps, nous promettons, nous, malgré le fin grand monde, pas de courage encore, mais peut-être Haïti, moi, je demande de nouveau une machine, je viens chercher ma choix ça, pour me faire que tout le monde content, parce que je choix ça, il y a un pile bon bagage là-dedans. Parce que je me fais 3 ans, 6 mois, pour te prendre ça, je choix. De faire que tout le monde content pendant 3 ans, 6 mois, ça me fait pour tout le monde. Parce que le choix de la bagaille, c'est le choix de chercher une femme qui est plus belle dans toute la rue.
qui fait me voulait enseigner nous aujourd'hui pour me parler nous toute bagaille. Parce que même après me fin de message là, bon Dieu veut l'autre ange une dîme, puis il va me parler pour un seul bord. C'est-à-dire c'est habite pour me parler pour tout le monde. Parce que il y a un pile nèg qui des amis légaux qui a fait ça qui passe dans le pays et l'autre nèg tout, nous tous, c'est assez pour nous tous. Il n'est pas pour une portion, il n'est pas pour l'autre là pas là-dedans. C'est nous tous qui la donnent. Ce n'est pas tout, il y a pour nous trouver un nègre qui fait ça pas bon, mais c'est parler pour nous parler, instruire avec instruire, il n'y a qu'à corriger. Parce que choix ça, c'est plus mal. C'est plus mal parce que tout le monde sous la tête. Choix ça. Il était plus imbécile, mais tout le monde sous la tête. Choix ça va parler. Tout le monde. Mais qu'on y a qui transformation. Il y a une grande transformation là-dedans, qui fait si, ouais, documentation qui est dans le même là. C'est table 7, multiplication, choix là pour le compter. Comprenez, côté de l'homme ou animal, qu'on compte l'étape de multiplication. Eh bien, je suis d'après bon enseignement Bali, mon CELI, qu'on a l'instruit, qu'on a mettre tous ces documents à terre pour me dire, je suis là, comptez au bon moment. Là, je me dis, je suis là, 7 fois 2 égale combien? Je suis là, je prends 14 pour le bon moment. Là, je me dis, 7 fois 3 égale combien? Là, je prends 21. 7 fois 4 égale combien? Là, je prends 28. Suite, justement, fini. Oh, ça intéressant. C'est peut-être ça. Je voulais enseigner les peuples ici pour me parler de qui ça, bon Dieu, t'a fait. Parce que d'après Ecclésias, chapitre 9, verset 16 et verset 18, il dit connaissance plus bon pour le courage, connaissance plus bon pour toutes âmes pour faire la guerre. Mais il a méprisé connaissance de monde qui est pauvre. Eh bien, je vais établir connaissance devant nous là, je dis, pour voir qui va la connaissance, bon Dieu, bon moi, pour me parler avec le peuple haïtien pour changer de conduite. Même Jean-Choual là qui a changé de conduite, comme ça tout l'homme qui a changé de conduite. Quel c'est Tizo, qui l'a pris, Christophe, vite l'homme, barbecue, la mort sans jour, je ne vais pas demander la mort pour vous. Je demande entente pour nous faire, entente pour nous entendre, nous parce que c'est frère nous. C'est assez pour nous tous liés. Il n'y a pas de prendre pour dominer sur l'autre là, pour l'autre là, pas de vivre là-dedans. Nous tous devons vivre encore mieux comme frère avec frère. Et ça fait nous dire la tolérance consiste à supporter que les autres pensent, parlent, agissent autrement que nous. Il ne faut pas confondre la tolérance avec l'indifférence. Mais de la façon dont nous vivons là, au lieu de nous vivre avec la tolérance, comme frère avec frère, et puis c'est avec indifférence nous vivons, côté nous, nous avons tué l'autre. Puisque si bon Dieu fait mourir dans le temps nous, nous ne pouvons pas tuer personne. C'est la paix, mon Dieu dit, pour me mettre dans le temps nous, pour me parler avec nous. Peut-être ça, je vais parler avec nous là, pour me parler de nous, qui ça, bon Dieu, t'a fait pour l'homme, qui fait l'homme, bon Dieu, gain droit pour le recommander, pour lui mettre la paix dans le temps, peuple haïtien. Parce que avant, bon Dieu, t'a créé l'homme, il t'a créé trois grandes étendues au profit de l'homme. Il t'a créé le ciel là, il t'a créé la mer, il t'a créé la terre. Mais personne n'a jamais le ciel là. Ça nous réagit, ça l'atmosphère. Nous dit l'atmosphère est l'enveloppe gazeuse de la terre. C'est une couche d'air dont l'épaisseur est estimée à plus de 60 km. Le pesant, la pression atmosphérique varie avec l'altitude, la température, les saisons et les vents. Sa moyenne est de 760 mm, c'est-à-dire équivalent au poids d'une colonne de mercure de 760 mm. Le cas de la surface du globe est occupé par des terres. Les trois autres cas sont recouverts par d'immenses et étendues d'eau salée appelées mers ou océans. On donne le nom des continents aux plus grandes étendues des terres. Les anciens continents sont l'Europe, l'Asie, l'Afrique. Les nouveaux continents sont l'Amérique, les continents australes, l'Océanie. L'Amérique divisée en trois parties, l'Amérique du Nord, l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud. L'Amérique du Nord comprend le Canada, les États-Unis et le Mexique. L'Amérique centrale comprend Belize, Guatemala, Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica et Panama. L'Amérique du Sud comprend le Brésil, les Higuiers et les trois Guyanes. Ancienne Guyane anglaise, ancienne Guyane hollandaise, ancienne Guyane française. La Bolivie et la et l'Équateur, etc. L'origine de la Terre n'est qu'un globe. Vous m'avez viré sous moi. Viré sous vous? Non, vous m'avez viré sous moi, gros soleil qui était. Ya, vous m'avez continué là. L'origine de la Terre n'est qu'un globe de feuilles. En se refroidissant, elle s'est contractée, s'est plissée, formant des trous et des brosses. En certains endroits, elle est affaissée ou élevée
sur l'influence des tremblements de terre et des volcans, les variations des eaux et des vents. Un volcan est une montagne qui vomit des cendres, des fumées et de la lave par une ou plusieurs ouvertures appelées cratères. Exemple, montagne Pelée à la Martinique. Le relief est la somme des dépressions du sol, montagnes, plateaux, plaines, etc. On continue avec et coup d'histoire qui est assez intéressant. Les littoriales, elle est liée à les bords de la mer. Après, bon Dieu, il fait trois grandes étendues, ça y est, il fait à pousser toute qualité manger pour l'homme manger, mais bon Dieu, beaucoup contre l'homme. Dans tout pays, manger pousser tout côté, pied, bois pousser dans terre. Ça pour bête manger, ça pour moun manger. Toute qualité, banane, pomme, figue, yam, patate, malanga, toute qualité, pois, maïs, manioc, toute qualité manger, pousser dans tout pays pour l'homme manger, mais bon Dieu, beaucoup contre l'homme. D'après Genèse, chapitre 1, verset 24, mon Dieu commande terre pour caler toute qualité bête vivant. Terre calée bête, il y a deux pâtés, il y a un mâle, il y a une femelle. Il y a soutenant terre, il n'y a pas de parole, il n'y a pas de connaissance, il n'y a pas de cerveau, il n'y a pas de main pour manger, il mange avec terre avec bouche. Le bon Dieu finit faire bagage ça, il y a bagage ça, il y a beau, il réunit en trinité, en trois personnes. Mon Dieu papa, mon Dieu petit, là, mon Dieu Saint-Esprit, il dit, on doit faire monde. Pour porter nous, pour sembler avec nous. C'est comme ça, bon Dieu, pour pousser la terre, il fait un homme, il veut dire Adam. Adam est à terre mobile, il n'est pas qu'à déplacer. Il était comme un master qui est à terre. Bon Dieu, poche, bouche lui, bonne l'homme, il mettait sous des villes à dans, Adam levait campé. C'est ça que fait nous, tout aujourd'hui, nous avons sous des villes dans nous. Après, bon Dieu, il fait Adam, il dit Adam, allez les bêtes, pour bailler toutes bêtes au nom. Toutes bêtes sont venues, Adam va toutes bêtes au nom. Non, les bêtes sont aujourd'hui, c'est Adam qui baille depuis les années qui étaient sous eux. Pendant les bêtes sont venues, mal bête a cherché à voler sous femelle. Laisse la sensation Adam développer. Mais Adam n'a pas réagi. Bon Dieu, ouais, ça Adam besoin. Il fait le dormi et puis il prend une côte dans Adam. Il fait un monde, il n'a pas même bal non. C'est là dans le venant dormir, il y a un monde, côté bon côté, il mange, il dit ça c'est viande, c'est zol, m'a pris les femmes parce qu'elles sont dans le garçon. Parce que depuis là, ça, bon Dieu passe avec la femme dans l'ordre, croiser, multiplier, faire petit, à grand pile, petit, petit, mettre sous terre pour couvrir terre. C'est comme ça, Jean mon Dieu te dit comme ça, ça fait jouer. Parce que depuis là, ça, bon Dieu pas fait moun encore avec moi. Bon Dieu pas fait moun à la main encore. C'est femme et garçon qui est responsable pour mettre moun sous terre. Jean bon Dieu te dit comme ça le fait. Tout moun met sous terre, c'est dans femme tout passé avec garçon. Parce que bon Dieu met trop produit dans garçon. Hein. Depuis la guerre dans la femme là, femme là enceinte. Si femme là font petit garçon, il sorti quoi papa. Si il font petit fille, il sorti quoi maman. Il sorti quoi maman. Pour ça, je vais décrire les gens pour vous dire toutes les pièces qui forment les gens. Comment les gens font les gens? Parce que, mais comment les gens font? Parce que, il y a un peu de gens qui parlent de biologie, qui parlent de comment ils font. Mais je vais expliquer aujourd'hui pour tout le monde connaît comment ils font pour qu'ils apprennent à respecter la vie de l'autre. Parce que, les gens qui parlent pas de biologie, ils agissent presque comme une bête. Les gens qui ont devant, ils ont les amis, ils ont les gens qui ont une bête, ils ont mais tandis que non, c'est pas vrai, tout est même j'en viens comme ça, le fait tout. Parce que nous dit l'homme est composé de trois parties principales, la tête, le tronc et les membres. La tête est la partie la plus importante de notre corps. Elle comprend les nez, les yeux, la bouche et les oreilles. Le crâne est une boîte osseuse formée de 8 os et recouvert par les cuirs chevelus. À l'intérieur du crâne se trouve une matière molle et délicate, le cerveau. La bouche est une cavité limitée par les lèvres, les joues, la voûte du palais et le plancher musculaire sur lequel est fixée la langue. Les deux maxillaires portent les dents. Il y a 32 dents entre les maxillaires. Les dents se divisent en trois parties. Il y a 8 incisives, 4 canines et 20 mollets. Les incisives servent à couper les aliments, les canines servent à déchirer,
les mollets servent à écraser ou à broyer. Le tronc comprend le thorax et l'abdomen et les deux clavicules qui sont séparés par le diaphragme. Dans l'abdomen se trouvent les intestins, les pancréas et les reins. Les membres supérieurs sont les bras, les membres inférieurs sont les jambes, le squelette est l'ensemble des os qui constituent la charpente du corps humain. La colonne vertébrale est composée de 33 vertébrés. Une côte est un os en forme d'arc de cercle qui part d'une vertèbre dorsale. Le sternum est un os plat situé en avant de la poitrine. Les os des membres supérieurs sont l'humérus, le radius, le cubitus, les 8 os du cap, les 5 os du métacarpe et les phalanges des doigts. Les os des membres inférieurs sont les fémurs, la rotule, les tibias et les péronés, les 7 os du tase, les 5 os du métatarse et les phalanges des orteils. Le système nervé comprend des centres nervés, encéphale, moelle épinière et les nerfs. L'encéphale logé dans la boîte crânienne comprend le cerveau, le cervelle, le bulbe. Le cerveau nous permet de penser, d'éprouver des sensations, d'accomplir des mouvements volontaires. Il commande aux organes par l'intermédiaire des nerfs. Les nerfs sont des cordons blancs qui partent des centres nervés et se ramifient dans les différents organes. Les nerfs moteurs transmettent au mix les ondes provenant des centres nervés. Les organes de sang reçoivent les excitations reçues par les organes. Les nerfs moteurs transmettent au mix les ondes provenant des centres nervés. Les organes de sang reçoivent les excitations venues de l'extérieur. L'homme comprend 5 sens. Lui, la vie, l'odorat, les goûts et les touchés. L'œil est l'organe de la vie. C'est un globe logé en orbite, protégé par les paupières, les signes et les sous-signes. Les globes de l'œil sont formés surtout, par une membrane blanche très résistante, etc. L'oreille est l'organe de lui, formé de 3 parties, l'oreille externe, l'oreille moyenne, l'oreille interne. L'oreille externe formée par les pavillons ou les conduits auditifs et les tympans. L'oreille moyenne traverse une chaîne de 4 osselettes, l'oreille interne où aboutit les nerfs auditifs. L'articulation est la manière dont deux os sont reliés entre eux. Exemple, l'articulation des doigts, du coude, de l'épaule, il permet de se mouvoir. Les os d'une articulation sont fermement rattachés entre eux par des ligaments élastiques. L'homme se déplace par toute la surface de sa plante. C'est dans ce sens que l'on dit l'homme était plantigrade et digitigrade, c'est-à-dire l'homme qui a marché et l'homme qui a couru. La respiration est capable de maintenir notre corps à une température de 37 degrés environ. La voix est produite par les vibrations des cordes vocales du larynx mises en mouvement par l'air chassé des poumons. L'hygiène de la respiration commande de se tenir droit. La poitrine est bien dégagée de respirer par les nez, de vivre le plus possible au grand air et de faire pénétrer le soleil dans les appartements. La respiration a pour but de purifier le sang. Par la respiration, le sang absorbe l'oxygène et rejette les gaz carboniques. L'appareil respiratoire comprend les fosses nasales, les larynx, la trachée à terre, les bronches et les poumons. La trachée à terre est un type placé en avant de l'œsophage. Sa partie supérieure est élargie et forme le larynx, l'organe de la voix. La poitrine inférieure se divise en deux bronches qui pénètrent dans les deux poumons. Les plus fins se terminent par de très petits sacs entourés de vaisseaux capillaires. Ce sont les alvéoles pulmonaires. C'est à travers les parois de ces alvéoles que se font les échanges gazeux. Canaux et alvéoles constituent la masse espongieuse et élastique des poumons. Les poumons sont logés dans la cage thoracique des deux côtés du cœur. Ils peuvent augmenter et diminuer de volume. Le mécanisme de la respiration comprend deux mouvements. Pendant l'inspiration, les côtes s'élèvent, la poitrine gonfle, l'air pénètre dans les poumons. Pendant l'expiration, les côtes pèsent sur les poumons qui chassent l'air vicieux. C'est des mouvements effectués environ 15 fois par minute. L'air qui chasse des poumons constitue la vapeur d'eau et rejette les gaz carboniques. Konya nous parle sous sang. La circulation a pour but de porter aux organes l'oxygène et les aliments qui leur sont nécessaires et de les débarrasser des déchets qui leur sont nuisibles. L'appareil circulatoire comprend le cœur et les vaisseaux sanguins sont les artères, les capillaires et les veines.
les athées. Les athées sont des vaisseaux sanguins. Le cœur est mixte de la gauche à 10 points. Il place de la poitrine et puis à gauche, entre les deux poumons, il comprend 4 cavités, des oreillettes, des ventricules. Les athées sont des vaisseaux sanguins par lesquels le sang passe des athées dans les veines. Les veines sont des vaisseaux sanguins qui conduisent le sang dans tous les organes. Dans la grande circulation, le sang rouge sort du ventricule gauche par la tête aorte, se rend dans tous les organes. Dans la petite circulation, le sang noir sort du ventricule droit par la tête pulmonaire et va au poumon. Nous allons parler de la digestion. La digestion a pour but de transformer les aliments en un liquide qui pourra passer dans le sang. Elle est effectuée dans l'appareil digestif qui se compose du type digestif et des glandes digestives. Le type digestif comprend la bouche, l'œsophage, l'intestin grêle et le gros intestin. L'œsophage est un canal long de 20 à 25 cm qui descend verticalement dans le thorax en longeant la colonne vertébrale. Il fait communiquer la bouche avec l'estomac. L'estomac est une poche à parois musculaires d'environ de 3 litres formée par les renflements du type digestif. L'intestin est un type de 8 à 10 mètres qui fait suite à l'estomac. Les glandes salivaires logées dans les parois de la bouche produisent la salive. Les glandes gastriques logées dans les parois de l'estomac fournissent le sucre gastrique. Les pancréas, glandes importantes, placées près de l'estomac, qui déverse dans l'intestin grêle le sucre pancréatique. La digestion commence dans la bouche par l'action des dents qui broient les aliments comme les pains, les pommes de terre, les haricots et celle de la salive qui transforme les fécules en une pâte molle appelée bol alimentaire. C'est comme ça que mon Dieu prend le temps de faire l'homme, que mon Dieu gagne droit sur l'homme, qui fait le voyer, mon Dieu remet nous, lui parler avec moi-même, pour me parler dans mitan nous, pour mettre la paix dans mitan nous. Pour tout le monde mettre sa matin en nous réconcilier l'un avec l'autre. Pour les autres, il a pris Christ à vite l'homme barbecue. Le mois sans jour, tout négio, pour déposer les âmes, pour faire la paix avec la police, avec tout les patients, parce que c'est frénouillé. Pour ça, je vais parler un peu de l'histoire. Qui ça l'histoire? Nous dit l'histoire est une science qui a pour objet l'étude du passé humain. Elle étudie l'évolution de l'humanité étape par étape en expliquant l'enchaînement de ces étapes. Il est une prise de conscience par l'homme de son évolution. Utilité de l'histoire, la connaissance de l'histoire est l'une des bases les plus solides de l'éducation civique, que chaque citoyen en apprenne l'histoire. Elle aide aussi à comprendre le présent et à préparer l'avenir. Enfin, l'histoire apprend à juger, à réfléchir, à raisonner. Elle développe sans critique et l'esprit d'analyse. Qu'est-ce que la chronologie? Pour mieux connaître le passé de l'humanité, pour suivre son évolution, pour analyser les événements qui s'y rapportaient, il faut pouvoir situer dans les temps, les comparer entre eux, les dates. La science qu'ils occupent de l'étude des dates s'appelle la chronologie. Ce terme vient des deux mots grecs, chronos, qui veut dire date et temps, logos, qui veut dire étude. Mes chers amis auditeurs, pour mieux vous parler de l'histoire, laisse-moi vous parler un peu en ce qui concerne les anciens héros de notre indépendance. En 1791, éclata le premier soulèvement en masse des esclaves. Il devait, après des fortunes diverses, aboutir le 5 février 1794 à la proclamation de la liberté générale des esclaves. Après une lutte gigantesque à la proclamation de l'indépendance d'Haïti, ce premier et essentiel acte de notre vie nationale s'accomplit au Gonaïve le 1er janvier 1804. Les ouvriers de la libération furent nombreux et l'héroïsent à tout magnifique. Parmi les plus grands, il faut citer Toussaint Louverture, Dessalines, Christophe, Pétion, Geffra et Clairvaux. Les héros et qui les ont secondés ont droit à d'autres sphères, à notre amour. Ils sont les pères de la patrie. Nous avons pour devoir de ne point compromettre ou diminuer l'héritage qu'ils nous ont légué après l'avoir acquis de leur sang. Cela sève bien le pays et qui conforme les conduites aux ordres d'une conscience loyale et éclairée. Ils les trahissent
tous ceux qui méprisent la voix du devoir pour n'écouter que celle de l'égoïsme et de l'intérêt personnel. Mes chers amis auditeurs, permettez-moi l'expression de transmettre quelques mots en langue vernaculaire pour vous bien enseigner, c'est-à-dire en créole, dans la langue maman, ak papam.